La police dans ville au Cap m'arrête pour crabe yon ancien député qui violé yon jeune garçon. Li force ce garçon, li fait massisi avec. Oui, s'entendez assez salé. Et massisi yo e. Tenez bien. Ancien parlementaire ça, la police arrêté dans ville au Cap jour qui était dimanche 5 novembre 2023, li relé Joseph Laurius à cause li violé jeune garçon ça qui gen l'âge 16 ans. Ça son mine quel lieu. Tendez ça m'a dit nous là. Selon une source policière, li fait connait ancien parlementaire ça qui c'est Joseph Laurius li jwenn arrestation à cause yo accusé li violé yon adolescent 16 l'année. Selon ça la police fait connait jeune garçon ça qui a 16 l'année que non pas révélé li ta vive dans Port-au-Prince là. C'est ancien député qui force ti garçon à vinn habiter au Cap la Kaili dans un appartement qui trouvé dans ville au Cap. Yo tellement massisi. Li remet ti garçon, li pa ka vivre trop loin, konnen. Et pas tout monde qui dans relation longue distance a voye nid. Li force ti garçon vinn vivre la Kaili. Gèlè ti garçon pat konnen ma Sicilien. Li kembe ti garçon 16 l'année a, li viole l. Li lage tout de ti garçon an. Kounya la, le ti garçon an, sa si li pa kapab anko, la l depose yon plainte kont ancien député se ki aple de pran plezi viole an nan kay la. Tande ou? Ti garçon an, la l depose yon plainte pour ancien député dans service départemental police judiciaire dans SDPJ. Il dit ah vinn là parce que m'a il dit m'vinn là à cause moins violé. Oui. Gen ancien député là, il était forcé m'vinn là car il vinn habiter la caille. Mais qui ça député a fait? Mais qui ça le fait? Li viole m, m'le nou aide m. Eh bien, la police arrête monsieur, marel ta kou krab, pou l'kite ma sisi. Femme ou bien, gen moun ki gen orientation sexuelle qui différent. Mais, viole un moun, la loi pini ça. Oui, li pinil. Y va gen problème à voir sou ma sisi, non? Ça ka arrive, ou pas prendre plaisir nan fi, et nan garçon ou prendre plaisir. Mais pas violer moun. Pas déposer la patte sur moun pour violer. Et mais la police arrête tout ça qui c'est un ancien député qui est Joseph Laurius à cause li violé yon mine. On mine encore. Ouais, la prend yon prison là à cause viol. Et ensuite li violé yon mine. Mais tout lien encore. Et ma sisi yo et ma sisi oui frère. En tout cas, bref, pendant pas de violer là, femme ou bien, il y a une vidéo qui vient de moi. Malheureusement, je ne peux pas faire une vidéo parce que c'est une action sexuelle qui est liée. Bandit dans Mariani, ils ont violé deux femmes. Ils ont entré dans la caille, mesdames, ils ont fait retirer tout le monde sur eux et puis ils ont violé. Je vais regarder des vidéos ça. C'est m'a dit si c'est sem ou maman qui était dans vidéo ça quoi me souvler m'a fait bandi autoué oui gardons vidéo comme ça côté bandi descend pantalon yo par contre c'est pas un sida par contre c'est pas une infection pour y a violer mesdames yo fait mesdames yo ouvert pio sous pression qui mes am bra qui am dans tête yo ouvert pio mesdames yo crier dans vidéo
nèg yo a fait bagarre avec dans vidéo yo violé yo bagarre grave bagarre empiré moun Mariani a passé un mauvais moment et gon l'autre vidéo qui vient jeune moi un massacre qui fait là bandi Mariani entré la caillon en famille yo triblé avec balle maman petite sami bagarre grave pile moun mouri Mariani ça qui a passé Mariani là. C'est bandit qui m'a censé. C'est nèg caravane qui n'a qu'à fou cap goumé entre yo. Oui. C'est ti messieurs zone là cap goumé, ti moun qui était habité qui fait dans zone là qui levé grandi là, yo amé yo, c'est yo cap bail problème dans Mariani. Qui laisse ça fini, on pas connaît. Et la police qui est victime, la police victime. Oui, c'est là ça fait me connaît. Gain machine blinde de boulet. Je cherche l'image de beaucoup de jeunes. Et nous avons un gars comme Zoé qui nous a déjà dit. Et dans l'émission précédente, nous avons dit que la grave, la empiré, ce qui a passé dans Mariani là, il est complètement dégénéré. Et l'État n'a jamais dit un mot. Ce qui a passé là, dans Mariani. Femmes ou bien? Et. Nous songe hier là nous avons une émission côté me parler de 5 employés la cour et qui la cour encore 5 employés l'état qui sorti dans et la cour supérieure des comptes moun sa yo bandi exam kidnappé pour la cour supérieure des comptes. Femmes ou bien, d'après sa information, yon rapporté, action sa passé nan niveau Taraz, commune Pétionville. Kidnappé yon prend employé la cour supérieure des comptes et contentieux administratif. Dans le moment, yo t'a pralé dans le bureau qui trouvé dans cette ville Port-au-Prince. Jusqu'à matin, mercredi 8 novembre, quand m'a parlé là, moun yo toujours dans les bandits. Clair. Tendez, mes amis. Quand m'a pris ensemble pour me donner une information parce que, bah, la grave. Bandits ont demandé, c'est où? Est-ce que famille moun sa jeune l'argent? Quand le temps de travailler dans l'État, il y a un corps pour le diable. Jusqu'à matin, mercredi, il n'y a aucun détail qui baille sur l'otage. Et média en ligne, Gino 7, il rapporte kidnapper a demandé 2 millions de dollars, état de souple, bon dollar, pour libérer tous les 5 employés. La cour si payer des comptes. Attendez, oui. 2 millions de dollars. Yo mandé. Ouh, bagala grave, bagala grave. Kouna kouta jansap soti, comme c'est employé l'État, oui. Est-ce que Ariel Henry a pris les timbés selio? La bdia, nous font des autres là, nous kidnappons moun mwen yo, moun la cour si payer des comptes. Et libérez moi. Qu'on est papa gang. Quel mandé pour libérer sans rançon? Quand tu as 2 millions de dollars ça? 2 millions de dollars? Et pas un petit point investi, non? Et go comme? Femmes ou bien matin là tout? Après ça, tu es passé là, dans Wanamet. Hey! Gen 5 backup police frontalier qui fait arriver là, sous canal là. Pour renforcer la sécurité, mon canal yo. Je regarde sur l'écran là, ça c'est image, tiso, les spécimens. Je regarde 1, 2, 3, 4, 5 machines. Policiers qui débarquent là, lourdement armés pour assurer la sécurité. Mon canal, mon Wanamet, mon capteur dans le canal là. Parce que après, si Magri, après pression, Dominique et Devine Banou là, sous frontière débarqué, hélicoptère, l'armée, des machines qui chargent avec gaz dans la donne,
zam prete sou nou, et bien matin là gen 5 backup police front qui rive nan wala met là pour assurer sécurité paysan yo moun ka travay nan canal là. Ça son bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle liée là. Eh bien, j'en regarde sur l'écran là. C'est comme ça lié. C'est policiers là qui débarquent. Hein, c'est policiers qui débarquent là. Ça veut dire là, pas gain campé. C'est capé qu'à lié. Nous pas prendre intimidation. Malgré tout ça qui fait là. Nous te voyons qui Jean. Et agent ça peut te camper red là. Je dis, yo même, yo pas prendre pression. Malgré yo pas gain zam nan men yo. C'est campé goumen lié. Et nèg la mis sa yo. Pas qu'à intimider nous ouais et nous content du fait que yo jeune renfort. Oui, yo jeune renfort. Dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là, juge qui a instruit des dossiers qui c'est Walter Wessel Voltaire, sauf fait un voyage dans pays États-Unis côté Lichita parler avec plusieurs autorités dans la justice américaine. Ça c'est bonne nouvelle. Parce que il dit fond bien pendant visite ça qui t'est duré plusieurs jours, magistrat t'est rencontré avec quelques officiels américains et puis responsable FBI yo. Attendez oui. Il t'est rencontré avec responsable FBI sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Ces médias en ligne Haïti Infopost qui rapporte information ça côté yo cité yo source yo ka fait en pile confiance visite juge Voltaire dans pays États-Unis vini environ 3 semaines après agent FBI te fin tande Joseph Félix Badio qui se yon assassin criminel en pièce important yon comploté pour touye Jovenel Moïse et Nexa ses bons amis. Ses bons amis PM Ariel Henry. Attendez oui. C'est environ 3 semaines après agent FBI te fin tande Badio pendant le pénitencier national. N'a fait nous connaître, juge la retourné dans le pays d'Haïti hier mardi 7 novembre 2023. Ça sont bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Eh bien, malé, rendez-vous dans la prochaine émission. Nous avons traité un autre dossier Public Channel. Ça, c'est Production 69. Je vous demande pour like, abonner, peser sous cloche notification, retirer sous personnalisé, mettre sous tout. Pour les nouvelles vidéos, pour ne pas rater le rendez-vous dans la prochaine émission pour nous traiter pour notre dossier. Qui ça, pendant que nous avons venu sur l'expérience Jacques Mel, c'était un très long week-end, notamment pour nous autres dans l'espace. Il y a un sujet qui était kembe actualité pendant. Congé la Toussaint pendant fête Guédéa. Ce sont ces déclarations de Madame Mirlande Hippolyte Maniga, la présidente du Haut Conseil de la Transition, HCT. Lors de cette entrevue, souvelée, accordée à notre confrère gonaïvien Hervé Noël, pour le compte de Radio Kiskeya. Dans l'entrevue, ça, Grégory Lubin, guerrier du seul, Jimmy Clitiagène, Madame Hippolyte Maniga pat du tout clémente envers le premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry. Madame Nan était très critique à l'égard du neurochirurgien. Autrement dit, Madame Nanté sans pitié pour ancien ministre Affaires sociales, ancien ministre intérieur Michel Joseph Martelly.
déclaration sa yo en pile média, en pile agence information dans pays a te relayé yo. Ça qui te vinn fait que nouvelle ça ou bien nouvelle ça yo te enflammé trois là et provoquer des réactions tout côté hein. Des réactions les unes plus pertinentes que les autres, notamment au niveau classe politique là. Pour moun qui habitué tendez nous dans espace ça sous sujet ça sous dossier HCTA ou bien relation HCTA avec gouvernement avec docteur Ariel Henry, nous presque certains ça gagne là comme évolution, ça gagne là comme rebondissement. Yo pas ta doué étonné. Pour qui ça? Parce que nous autres nous t'es sous une forme ou sous une autre prévoit so we kap pase la entre le HCT, la primature et le gouvernement. L'un des prévoil sous une forme ou sous une autre la guerrier du seul. C'est pas parce que nous sommes gros divinos, c'est pas parce que nous t'es oiseaux de mauvais augure, c'est pas parce que non plus nous t'es dans le secret des dieux. C'est parce que tout simplement t'es gagné des paramètres qui t'es présagé que ça va le passer comme ça. C'est parce que tout simplement t'es gagné des signes avant-coureurs. Singari le bon guerrier du seul. On essaie retourner sous Genèse. Question ça on a parlé là. Cette question de HCT au Conseil de la Transition. Donc pour nous comprendre Genèse HCTA, nous devons nécessairement retourner en décembre 2022. Un paquet ancien signataire accord 11 septembre là décidé ensemble avec premier ministre écrasé même ça a été signé et que yo pas respecté a pour y aller signer on l'autre entre yo avec bien sûr le support le soutien de quelques autres groupes de quelques autres monde sous base promesse job et ça me vle pays a souligner ça très fort non. Ce fameux accord, l'accord du 21 décembre, l'accord ou bien document s'ouvre à partir duquel HCTA te prend naissance. Johnny Ferdinand, sans bavle battre l'estomac, sans bavle ni en arrogant. Te yon rare journaliste guerrier du seul qui te vin là, qui te mette en doute signature énième accord ça. Entre Ariel Henry et l'équipe et puis certains alliés. Johnny Ferdinand est un rare journaliste qui te vient là, qui te questionné la sincérité du document ou le réalisme soulevé du document. Les ça, il y a des gens qui signent à quoi qui te ouem comme une bête noire. Si bien que, il y a un neuf qui te dit qui ça Johnny Pensélier pour le penser qu'a craché sous un document des haïtiens qui remet pays qui voulait résoudre problème qui voulait bon dénouement crise là chita ensemble réfléchir et puis signer gien même qui d'aller plus loin qui dit que c'est très méchant de ma part. Moi te dis OK adelante mon bagaille ou le temps et si un élément fondamental pour juger nèg ici ak fami ici. On dit si nous gen raison, le temps pral di ça. Même gens si c'est moi gen raison, le temps encore a déduit. Et très sincèrement Grégory Lebin, Johnny Ferdinand déteste avoir raison. Ma aimé l'aime gen raison parce que en pile fois l'aime pas ou bien l'aime annoncer des bagages, il y a pas forcément des bagages qui bon, qui positif. Donc si yo pas bon, si yo positif, m'batare même gen raison parce que pas parce que moi même me son négatif sur toute la ligne par contre se comprennent mais t'as plusieurs éléments
guerrier Dieu seul qui fait. Moi t'ai questionné sous voulez accord 21 décembre là. On t'a dit est-ce que son accord effectivement qui nécessaire compte tenu de ça qui dit en dedans compte tenu de clausio. On t'a dit est-ce que son accord qui réaliste par rapport à ensemble de bagaille, yo dit yo pour le faire dans l'espace un an. Nous ca à le regarder. Ou étendre émission yo. Si c'est menti, m'a ben n'a dit ça. Qui ça t'a fait moi t'ai metté en doute démarche signataire accord 21 décembre. 1 Moi prends en considération comportement docteur Ariel Henry de le li prend tête pays en juillet 2021 jusqu'à signature énième accord ça en décembre 2022. Yo docteur Ariel Henry depuis l'a installé officiellement dans primature là et là n'a pas le de primature nèg kouri kite pour insécurité pour bandi sous bicentenaire là qui te dit lui-même li pral fait pèlerinage longer la main bay tout petit pays à toute force vive pays à dans cadre un dialogue permanent pour capable aboutir à un accord et pour adresser les vrais problèmes de ce pays. Et presque pendant tout temps Ariel Henry premier ministre, il pas suspend claironnet dialogue. Pourtant, docteur Ariel Henry vient allonger liste politicien ou bien dirigeant haïtien qui dit on bagaille en public pour la consommation de l'opinion soit nationale ou internationale et qui font l'autre bagaille en réalité, qui font l'autre bagaille en bataille. Donc tout dialogue autour des citoyens des du livre les besoins tout si t'as pas l'autant de le tap fait le tap ceci le tap des tap date là c'était pour faire ti monde dormi parce que sou gade qui Jean Ariel comporté vis-à-vis de l'autre protagoniste ou de l'autre parti en face ou après nous côte docteur Ariel Henry pas de jam pour un dénouement en crise à travers le dialogue raison simple on prend comportement monsieur a avec monsieur dame Mondanayo pour diab monsieur dame zayo Ariel bouquet ou Léon Farine que le te monsieur dame Peigno que le te vin l'autre structure qui vient en après les Ariel Henry Souti et en Californie quoi c'est ton sobek te gagné en juin 2022 il fin prend la parole il annonce retourner là mais ça le pral fait avant l'aller. Ouais monsieur te prend pause là rencontrer madame Komodeni la Kaili by visite de courtoisie créer une structure ou comprendre une commission de dialogue ou comprendre patati patata alchita caribé boire café manger et puis les monsieur aller dans sommet il retourner pas des personnes qui connaît côté commission ça a passé par contre une songe c'est l'histoire qu'a fait et l'histoire récente. Après ça, Ariel allait, Ariel tournait, descend, il parlait, il reparlait, rien. Et tout ça, nous avons attendu en septembre 2021 pour signer un accord. Nous avons songé qu'il était porté non accord du 11 septembre. Qui te dit 1, 2, 3, 4, mais ça y est pour le faire. Dans le cadre de gouvernance Ariel là. Notamment sur le plan sécuritaire. Et n'a pas songé dans espace ça. Désolé, c'est l'histoire. Maître André Michel, ancien opposant farouche à Jovenel Moïse, allié sûr d'Ariel Henry. T'es même by Ariel un ultimatum de 3 mois. Il dit s'il pas respecté ça que t'es dit dans accord, notamment sur plan sécuritaire, l'a quitté accord. Et à l'époque, nous étions au mois d'août. Donc août, septembre, octobre, donc échéance à privé dans mois octobre. Mais octobre passé, mais j'ai signataire encore 11 septembre, mais j'ai Ariel Henry. Et c'est ce même Ariel Henry, un an plus tard, qui pral dit bon, encore, yo te signé 11 septembre là, que yo te prend comme boussole, yo t'a fait promotion de tout côté, hein? Encore ça pas valide encore, y a passé à l'autre accord. Il dit, qui garantit que mien
que fois ça Ariel pral respecter engagement puisque lui même avec Zamil ou bien nouveaux Zamil anciens Zamil sien ou encore ensemble jusqu'à ce que gè des moun qui viennent comporter comme des dissidents qui virent dos qui était accord pas rien qui respecte la dalle comme clause sinon à plus de 95% accord pas respecté donc qui garantit nous te gagner cette fois accord 21 décembre là pour le respecter d'autant que ce sont les mêmes acteurs c'est ça nous dit oui alors étendel ces mêmes acteurs quand on qui signent accord yo c'est yo encore te signent en septembre là yo pas respecté il y a passé la république dans tête yo signent l'autre accord à la seule différence yo te vinn joindre de l'autre monde qui pas signé encore 11 septembre là qui vinn légitimer pour yo historique exactement mais attention hein me veut payer à comme ça grand pile monde qui te signé encore c'est pas parce que yo connaît Ariel t'es sérieux yo signé encore parce que tu as des promesses qui t'es faites guerrier du seul t'es gagné des promesses qui t'es faites guerrier du seul me veut public à comme ça et là n'a pas de promesses ici dans classe politique là nous est job nous est poste tu gagne des ministères des directions générales mairie délégation yo te promettre ici tu gagne job dans diplomatie qui te promettre et gagne le nèg ouais qui pas de temps ou bien pas de temps qui était accord 21 décembre là on te dit ça là déjà c'est parce que docteur Ariel imprévisible nèg yo pas avlé vous yo sorti d'accord il a dénoncé et puis après ça remaniement fait job by yo dormi dehors et pour ça oui mais y a plein par en bas Johnny Ferdinand comme journaliste qui parle un paquet de monde dans pays a il est signataire de l'accord du 21 décembre jodi a k'ap propose yo solidaire avec Akoa sous radio dans télévision ak sous réseaux sociaux yo mais qui très critique envers Ariel Henry parce que tout simplement monsieur a pas respecté aucun engagement qu'il te prend vis-à-vis de monde qui te signé yo. Et si je dis à nous ta dit pays que docteur Ariel Henry en plus que monsieur son docteur son médecin mais yo considère monsieur comme un monde qui gagne un doctorat dans les monde dans farine son Wagner Lovné son citoyen même monde qui dans propre entourage dit a questionné objectif li qui côté monsieur vle aller qui ça agenda lié est-ce que le sont même planète avec nous exactly. Est-ce que monsieur non en Haïti côté nous tout a vivre là avec tout ça nous connait comme problème yo tout au moins est-ce que Haïti pas monsieur a différente c'est question ça t'a posé et c'est même encore ça nous dit de questionner nous te gantan dit pas privé loin parce que docteur Ariel Henry pas jamais respecter en rien prend comme engagement que ce soit envers pays que ce soit envers l'autre monde qui chita avec yo même envers amis lui gen monde qui a plein si m'dou jodi a la gen des moun qui était très confortable très à l'aise au début dans pouvoir mais qui inconfortable jodi a parce que tout simplement gon l'autre petit groupe qui veut accaparer pouvoir pour yo ah oui et ben sérieux m'a dit là gen des moun ou te propose très aimé pour pouvoir ça au départ jodi a la c'est certain pas premier engagement en public parce que bon groupe même à l'intérieur du pouvoir bon bataille par contre vous comprenez ça m'a dit là donc là nous t'ai considéré tout ça yo nous t'ai dit ah pas aucune façon pour à quoi ça arriver atterrir n'a dit mon encore une fois en guise de rappel c'est à quoi ça qui bail naissance à CTA et c'est lui même qui t'ai dit mais comment yo pral fait à CTA fonctionner mais qui ça attribution à Pierre mais comment yo pral compléter la cour cassation mais comment yo pral mettre campé conseil électoral provisoire mais comment yo pral venir avec réforme constitutionnelle là mais comment mais qui mécanisme yo mettre en place pour ça le dialogue permanent et puis pour organiser élection dans fin année 2023 qui t'a pral permettre en février 2024, bon nouveau président qui sortit d'élection à tout un gouvernement légitime qui prend tête pays. C'est ça que tu dis, on est encore 2022 21 décembre 2022, c'est ça que tu dis là dedans.
Et c'est à quoi ça jodi à là Madame Hippolyte Maniga, Mirland Hippolyte Maniga, et bienvenue dénoncer à substance. Qui ça Madame Nadi? Madame Nadi le constate un retard ou bien des retards souvelés considérables qui est enregistré dans le processus qui t'a dû aboutir à réélection ou bien à élection en président le 7 février 2024. Madame Nara allait à quoi 21 décembre pour aller plus loin pour dire retard ça risque de créer un vide dans le pays. Parce que après 7 février 2024, il pral difficile pour au conseil transition à gouvernement Ariel Henry pour être au pouvoir. Si vous voulez respecter ça qui est écrit dans l'accord en question, qui sont documents officiels, on a souligné ça pour la République, qui est publié dans le journal officiel pays à Le Moniteur. Toujours dans le cadre d'entrevue, ça, Madame Nantibay Radio Kiskeya, Madame Nalonje Dwed Jidali, principal monde qui est responsable, ça nous risque de vivre le 7 février 2024, qui a pointé là, l'irélé Dr. Ariel Henry, Premier ministre. D'après madame non, docteur pas prend aucune disposition pour respecter délai ça qui pourtant n'a pas cité c'est un délai raisonnable. En plus, madame n'a pas parlé c'est pas Johnny Ferdinand. PM de facto a soulevé, il passé en bas pied toute clause qui était dans accord ça. Sans vouloir me répéter. Si nous regardons le comportement Ariel Henry, pendant tout le temps, il y a dans le pays, qui ça, madame Nandi, qui est étonné le monde? Au contraire, c'est si la réalité n'a pas comme ça, qui t'a surprendre nous. Madame Nandi, il constate des retards. Là, est-ce qu'on constate des retards dans nos bagages? Son bagage qui t'a fait non tant donné, qui n'a pas fait dans l'heure, qui a peut-être fait un peu plus tard. Mais je dis à la soupe échéance date février 7 février 2024 là avec le Napalé là pas grand rien techniquement politiquement qui possible dans ça que tu dis dans quoi non sinon ça vous fait déjà oui par contre vous comprenez non pas grand rien techniquement politiquement qui te dit dans accord ça docteur Ariel Henry signé avec Zamil Alielio et puis quelques moun qui te pensaient que Ariel te ka respecter parole et dans promettre mons et merveilles pas grand rien qui ka réaliser là dedans donc madame pas même besoin dire retard tu dois dire tout carrément de constater que pas grand impossible pas grand ka réaliser comme ka fait encore dans quatre bagarre comme ça mais nous te dit loin. C'est Ariel Henry quand même. Nous te dit ça. Mais qu'on y a là. Maintenant, t'as qu'à poser question pour dire pour qui ça sorti fracassant Mirland Hippolyte Maniga Zayo. Qui sa motivation madame Naye? Pas oublié non? Nous songe les pour HCTA ou bien les pour membres HCTA installés te gon problème local. Bon moi même pas bon menti, première fois question au conseil transition en parlant d'un pays là me pense dans parler national yo t'après l'installer on me dit oui Mirland président de disa of my oui mais Ariel et son équipe l'ont bien compris yo dit même le l'attribution yo nous limiter yo comme organe consultatif mais mettez on en parler symboliquement la vle disa le dit. Et ça faut des grands piles captation pour qu'on ait côté à loger à CTA jusqu'à ce qu'ils viennent aménager un petit espace pour eux dans le ministère du commerce que dans le premier jour mon appelé même papier pas moi qui te dis c'est la présidente du conseil qui te dit ça même papier ou pas gagné même matériel de bureau ou pas gagné voir pour ta grand budget par contre vous comprenez après ça. Après le gain, diligence qui fait, ils mettaient plusieurs millions de gouttes à leur disposition jusqu'à ce que seule grande activité, ils organisaient son forum. Ils organisaient pour les gens qui étaient signés encore, les femmes qui étaient signées encore, elles manger. Elles ne payaient rien.
plusieurs millions de gouttes débloqués, militants, Alfred de Blouza en l'air, etc. Après ça, ACTA va être rien. Donc, est-ce que je dis, Madame Mirlande Hippolyte Manigaren, dit côté que bateau a coulé et que lui-même faut le sauver tête après cette grande carrière, lui oblige à faire des sorties comme ça, ça, point d'interrogation. Est-ce que tout, tu as des promesses? Attendez bien, oui, Gregory Lubin. Est-ce que tu as des promesses qui ont été faites au Conseil de transition qui n'ont pas respecté? Ok? Promesses, ça, yo, comme d'habitude, Ariel Pakembe. Et madame, elle a rendu compte que 7 février 2024, c'est demain matin. Et bien, aucune façon pour promesses respecter encore. Elle dit animal, normal, normal, net. Puisque le connaît. La partager actif et passif Ariel depuis qu'elle était acceptée rentrer dans le conseil ça et puis elle dit ok bal sauver tête li devant l'opinion, est-ce que c'est ça? Par contre vous comprenez non, question à poser nous pas forcément qui répond ça. Est-ce que tout madame n'en prend ça l'aime dit madame n'en prend ça là ou pas me connaît en imagine 7 février 2024 Ariel Henry pour un raison bien pour l'autre pas premier ministre encore. Et puis international là qui lui-même a décidé pour nous dit OK n'a expérimenté exécutif bicéphale à des têtes là. On va me connaître aller là, il y aura les Milan Hippolyte Maniga président tout. Et pas oublier s'il te gagne des comportements comme ça face à Ariel pendant le temps de la CTA, il est capable de peser lourd dans balance là pour jouer un support opposition ou bien classe politique là. Si analyser n'a pas analysé, n'a pas forcément gain donné. Par contre, vous comprenez. Donc, madame n'a pas essayé de positionner le tout. Parce que même là, nous, madame, nan, sous petit bâton, je ne veux pas que nous comprenions que nous sommes novices souvelés dans la politique. C'est une ancienne première dame, son monde qui est dans l'élection, qui est élue comme sénatrice. Vous comprenez, qui te dirige un gros parti. Ancien professeur, Leslie François Saint-Roch Maniga, lui-même décrit. Donc, elle n'est pas née de la dernière pluie politique. Expérience pâle, mettez avec ensemble conseil, il y a probablement qui doit concocter, ou on est tout, non, papa. Madame a dit, ah, je vais aller là d'ici 7 février 2024 pour voir quand elle arrive. Top international a dit, bon, on a expérimenté bicéphale là après 2 ans de monocéphalie. Bon, on regarde. Marron, si vous comprenez. Et bien, elle dit, bon, à défaut du président de la Cour de cassation, si nous avons les plus proches constitution, madame n'est déjà là dans la tête à CTA, elle doit installer le palais national. On va obtenir. Tout le monde est possible. Maintenant, une deuxième question, nous avons posé tout, guerrier du seul. Est-ce que la position de Mirlande Hippolyte Maniga, c'est aussi la position des deux autres membres du Conseil? Ça fondamental, lui, guerrier. On m'a dit doit expliquer, vous dit comme ça. Bon, c'est la présidente qui a parlé, donc il a engagé tout le conseil là. Mais attention, hein. Ha, pas oublier, conseil là, il y en a dans le 3 membres. Et à titre de rappel, madame, monsieur, il y a madame Mirlande Hippolyte Maniga, qui joue le rôle présidente là et qui représente le secteur politique là. Il y a pasteur Calixte Fleuridor et il y a monsieur Laurent Cécile, de M. Sayo, représentés respectivement secteur protestant avec secteur privé des affaires là. Est-ce que la position de Mirlande Hippolyte Maniga Jodia au nom de ce conseil, c'est aussi la position exprimée par les cieux pasteur Calix Fleuridor et Laurent Cécile? En bon créole, même ça, Mirlande a dit jodi à la. Est-ce que si vous posez pasteur Calix Fleuridor, même question, la même réponse, puisqu'il a parlé dans nous à CTA tous les deux. Point d'interrogation. Est-ce que si vous posez Laurent Cécile du secteur privé des affaires, la même réponse, yo, point d'interrogation. Sauf que, si vous posez une question de manière personnelle, Grégory Lubin, m'a dit, moi plus senti. Pasteur Calix Fleuridor qui allé dans le même sens à Mirlande que Laurent Saint-Cyr. Et pas même forcément qu'on est dans la République. Ça, c'est compréhension, Pam. Moi, plus pensé, Pasteur Calix Fleuridor qui allé dans le même sens à Mirlande que Laurent Saint-Cyr. Qu'on y a là, nous avons demandé intelligemment ça qui fait me dire ça.
on prend dernière note que ACT a sorti sur kidnapping secrétaire général conseil là, c'est Virginie Saint-Pierre. Oui, qui est libéré. ACT a trois membres. Combien mon avez signé? C'est deux. C'est Myrland et puis c'est Pasteur Calix Florido. Est-ce que son choix, est-ce que son hasard? Par contre, mais ça attire l'attention. Oui, bah. Mais deuxièmement, la République. Monsieur Laurent Cécile, qui représentait le secteur privé au niveau du HTT, monsieur, selon les informations, plus proche Ariel Henry, dans ACTA que l'autre demande bio. Ça veut dire qui ça? Demain matin, si Blanc t'a demandé Ariel Henry, viens nous réunion, faire accompagner dans le dans ACTA, presque certain à 1000%. Il n'y a pas ni Mirland Baniga, il n'y a pas ni Pasteur Fleury. Comment le nom de Fleury d'or? Presque certain. Presque certain, il n'y a pas ni yon ni l'autre dans deux mounzao. La Blouan, c'est si. Nous mettons écrit samedi à la, on joue bien l'autre, nous avons raison. Gon frange dans le secteur privé, ou même pas dit tout secteur privé, gon frange là-dedans, qui gagne contre Laurent Cécile, tout au moins Laurent Cécile, très proche, son frange dans le secteur privé qui achète Figi Ariel en pile dans le moment là. Bon, si on moun vle la vine de mentir, l'aime de acheter Figi Ariel Henry, si Ariel vle, li ka a dit, tade nous, n'a pas gauche jodi, y a pas gauche avec. Li ka a dit, n'a pas droit, y a pas droit avec. Qu'on y a mandé m'bouki ça. Et pas parce que vous remet Ariel comme ça. Et pas parce que vous remet forme tête Ariel comme ça. C'est pas parce que Ariel tellement bien géré pays comme ça. C'est pas parce que Ariel tellement bien défend l'intérieur comme ça. Raison simple. C'est parce que cette frange du secteur privé des affaires dont je vous parle, yo peut sanction yo. Yo croit, yo convaincu que Ariel Henry gon rôle li jouer dans série sanction sa yo international la apprend contre une série personnalité des élites politiques et économiques. En y encore, non, papa. Si Blanc a demandé Laurent Cécile comment relation ACTA avec Primature, pas étonné, Laurent Cécile dit bon, bagay, relation harmonieuse, très cordiale, très respectueuse, très mutuelle, bye. Pas étonné, man. Donc, ça, important, tout, oui. Et je voulais noter ça. Gonfrèche dans le secteur privé des affaires là qui croit que Ariel, bon, va lui jouer. Ariel Bonjean, li ka influencé. Yo kwe sa, m'baron si c'est la vérité. Mais yo kwe sa. Li ka influencé sanction yo. Et gen nek ki pe sanction. Et m'ap di non bay, matin la République. Si m'de nan place d'Ado di Wayes, m'dap di Tijon goupé sa, m'am di Junior avec Élisée goupé sa. Pour qui pe pièce nek, pièce femme, kap vin parler nan radio, kap vin minimiser sanction yo. Sanction yo affaibli, tout moun nou ek sanctionné yo. Et gen pil nèg ki pè sanction yo, gen pil nèg k ap soufri a cause sanction yo, et gen nèg jodi a poko konnen si ap nan lis ou pas ki ap joué le tout pou nou pa la. Donc ça veut dire sanction yo mle la République comme ça. C'est peut-être son étape par rapport à ça n'espéré. Mais qui te me dit nous ça et ceci à qui veut l'entendre, sanction yo gen tout sanction nèg yo pè sanction yo. Parce que moi me connais ancien parlementaire qui sanctionné là. Monsieur pas dormi non parce que kout nèg yo bloqué, conseil de transaction nèg yo pa ka fè, même sous nos petites yo, même sous nos madame yo nèg yo pa ka met business non. Et gade moun yo pa fè confiance, gade moun yo te konn avi milliards pa jimal avè yo ki te proche yo, yo pa konn ki koumoun sa yo ka ba yo, yo nan difficulté. Donc là on nèg ap jaser, ap déblatérer nan radio, ap di rapport bidon ceci cela, c'est nous konnen si nous prenons au sérieux. Nèg ap soufri. Nèg politique yo pè sanction yo, pa y sanction affaibli yo, nèg secteur privé yo pè sanction yo. Donc pour me retourner côté me tape parler avec nous là sous question position mi en dedans, est-ce que le fait unanimité en dedans au conseil là, m'pas fin certain. Et me dit comme ça si gon monde qui partager même position à mi en, à mon sens il relé Pasteur Florido. Pour le ressentir là, j'ai gros doute. Maintenant, pour nous retourner sur cette échéance du 7 février 2024. Nous, opposition, commencé à fou bizamni, guerrier du seul. Opposition a commencé à préparer là pour faire des sorties.
après au fin créer fonds uni et DPHTK OPL et autres et Montana nous pas tant de quelque temps gétant sorti là dans mois octobre là gétant présenté qui sa mécanisme douyé pour capable remplacer Ariel le 7 février 2024 et Simkwe Gazette Haïti yo dim sorti madame Mirland Hippolyte Maninga li créé panique au niveau du gouvernement. A se gen moun nan gouvernement ka fè beur yo ki commence on ti jan paniqué. On salue fusion sous tête ça. Hein. N'importe gouvernement sérieux qui vient dans pays a m'a demandé pour mon audit qui fait sous MTPTC. MTPTC comme ministère avec tout ça en bas yo. Comme organe. Hein, on salue fusion sous tête ça. Yo dit moi ça le ministre travaux publics a t'a installé. Il t'a tremblé. Je dis qu'on y a monsieur Jamba Zegar avec un garçon. Je dis monsieur Fré, me salue monsieur. Vous comprenez? Gade moun ki t'a fait beurre pendant toute transition là la commencé paniquer. Me salue monsieur ministre planification. Gade moun daga salue toujours. Me salue chef cabinet Ariel là. Même les cap diriger pays. Nous voulons me saluer toujours, pas faire ça. Monsieur Saturné, bon chef cabinet, papa. Opposition commence à fou bizarre. Saturné, après, je dis, je dis, chef cabinet, ça a gagné plus pouvoir que Ariel. Bon, Ariel va y en tête. Donc, non, ton qui pis sérieux, opposition a fou bizarre. Parce que n'a eu affaire Ariel là le 7 février 2024 a fini. Mbral zon bagala, mais avant me dire, même si c'est politique qu'a fait, on femme qui t'a critiqué à quoi 21 décembre, non, mais que t'es rejeté le de revers demain, qui doit pas reconnaître Baïza, je dis à l'on dit, j'ai un dessin, hein? Pour ce qu'a vint dit, selon clause accord, 21 décembre, non, d'Ariel fini. Ma contre, vous comprenez, on est guidé tout par reconnaître, ou yon femme guidé tout par reconnaître accord, 21 décembre. Okay. Ou tu vas reconnaître lui? Quand je dis à la bonté, j'ai un dessin. Pour après l'argument pour dire, mandat Ariel fini. Suivant à quoi ça? Suivant à quoi ça? Les gars, des politiques qui ont fait ça. Politique la dynamique. Oui, oui, oui. Les gars, des politiques qui ont fait. Mais nous autres, même si on a parlé de moi comme journaliste particulièrement, nous t'es questionné ou bien t'es mis en doute démarche là, mais comme journaliste, nous t'es noté. Que son document officiel qui était publié dans Le Moniteur et chaque allié Ariel Henry qui prend la parole l'aime demander pour un accord global qui impliquait toute force vive pays a, pour ne pas adresser une série de problèmes n'ego te dit si en face là pas d'accord si l'autre protagoniste est intransigeant si yo sur la corde raide yo même pas avancé conformément à ça qui dit dans l'accord 21 décembre. Non. Et chaque fois, monsieur te vle justifier mandat Ariel, ni comme contenu, ni comme durée, y aura le accord 21 décembre. Non. Donc ça veut dire qui ça? Avant l'accord 21 décembre, non, tout le monde a posé question qui le mandat Ariel a fini et qui ça mandat Ariel gagne comme contenu. Mais selon les alliés du pouvoir, les signataires du dit document, à partir de l'accord 21 décembre, débat est fermé. Parce que tout ça, vous avez fait selon les clauses de l'accord du 21 décembre. Voilà, dans l'accord 21 décembre, il était prévu pour élection organisée fin année ça, et que pour Ariel Henry, Baïma est là, à un gouvernement légitime, à un président élu. Maintenant, pour quelle que soit raison, on ne peut pas avancer, un fait certain, pas gagner élection. Donc, si pas gagner élection, la grande question qu'on a, qu'on t'a posé tête nous. Est-ce que nous pral dit bon comme bagay élection n'a bay Ariel Henry font 2 ans encore pour le boucler mandat 5 ans là puisque son mandat présidentiel lui-même devine jouer là ou bien tout n'a dit bon après 2 ans et quelques mois Ariel prouver incapacité incompétence donc n'a obligé retirer monsieur mettre l'autre monde mais bon bagay qui préoccupant qu'on y a quels sont les mécanismes pour remplacer Ariel Henry.
qui sa mécanisme yé pour remplacer Ariel Henry. En tweet. Est-ce que nous pouvons entendre ce corps groupe là qu'on y a là qui, dans toute composante, chiton côté non chambre, et puis décide au fond tweet, yo dit désormais, mais qui est-ce qui est premier ministre? Est-ce que c'est classe politique là qui pral entendre yo, ce que je connais qui est impossible, parce que je me rappelle qui dernière fois classe politique a été entendu pour de bonnes causes, qui pral dit ok, mais qui côté ouvre l'aller, ou bien est-ce que c'est un ministre dans le gouvernement qui pral assurer intérimat en attendant que nous décidions sous son nom? En tout cas, gagné Claude Joseph et du parti aidé qui lui-même salue courage madame Maniga qui dit Maniga et nous comptons sur vous pour aider nous pour aider nous dans la bataille pour remplacer Ariel là pour créer vite. Bon, moi je dis remplacer Ariel, mais il n'y a pas les gros français, gros mots latins. Mais on y a assez dit, on dit madame nous blablabla coup d'état. Claude de qui nous font une qui est PHTK qui est OPL, n'a pas rappelé l'iné Balthazar du PHTK, c'est un homme qui est dans le cité ou bien qui vous voyez petit papier timbre balé dans le cadre de la venais là papa. Monsieur d'accord à toi, monsieur signé tout. Ah le papa à quoi? Non, nous n'en font une ou bien. Ah, ok. On revient. Ok. Donc, qu'on y a là, qui sa mécanisme pour remplacer Ariel? Montana lui-même était ferme avec proposition lui. Il est toujours quoi que son collège présidentiel qui pour venir mener bac PIA avec 5 membres et puis il a décidé entre eux qui est ce qu'a président du conseil là, un représentant de la diaspora, un représentant de la classe politique, un représentant de signataire résolution Kingston, un représentant de Montana, Mablem qui l'autre nom qui est encore fait 5 ans. Et puis il y a un comité, il dit qui pour mettre sous place. Comité ça a 7 membres, qui a bien université, paysan, femme et latrier. Ce comité ça a choisi pour le ministre là. Et qui va choisir tout le monde qui va faire partie du cabinet ministériel là. Il a parlé tout d'un organe de contrôle qui était prévu dans l'accord 21 décembre, monsieur Damio. Montana retourne à Vel, qui va contrôler l'action gouvernementale. Et il a parlé d'une transition de 18 à 24 mois. Donc ça veut dire 2 ans et quelques mois, Ariel là. Jusqu'à présent, nous pouvons jouer dans la transition. C'est un ballon d'essai qui a fait. Vous comprenez? C'est un mouvement de mise en train qui a fait.